Et c'est à toujours d'une nouvelle vidéo sur Naruto Storm Connection. Et aujourd'hui, les gars, trois nouveaux personnages ont été annoncés. Du coup, aujourd'hui, c'est un grand jour, une belle journée, les gars, où on a trois nouveaux personnages annoncés que je vais vous montrer. Je vais vous montrer les gameplays de ces trois personnages-là. Et du coup, c'est parti. On va commencer avec le premier personnage qui est Mitsuki. Bon, c'est pas vraiment un personnage, mais c'est un mode éveil qu'on attendait tous. Le mode ermite de Mitsuki, les gars. Peut-être que le personnage qui aura du coup ce mode éveil aura de nouvelles attaques. Ça sera peut-être un nouveau Mitsuki. On l'espère tous. Mais franchement, les gars, pour moi, cet éveil est réussi. Il est très beau visuellement. Il a l'air très fort d'avoir des belles attaques à distance. On peut même voir à la fin une grosse animation, je crois que c'est sûrement son attaque spéciale en vrai. Son triangle rond. Mais franchement les gars, pour moi c'est un éveil réussi, je l'attendais beaucoup. J'étais déçu qu'il n'y était pas dans Naruto Storm. Mais là je suis vraiment content les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et sur ce, on passe au deuxième personnage qui est aussi là, un nouveau mode éveil. Qui est l'éveil de Momoshiki Otsutsuki. Franchement, lui aussi, très très beau mode éveil et très très belle attaque spéciale. On aura enfin plus ce vieux mec moche là. Cet éveil, les gars, il était dégueulasse. Peut-être il était fort, stylé et tout, mais il avait vraiment la pire tête. Ils ont pris celle du film au lieu de prendre la transformation du manga et de l'animé. Et franchement, cette transformation est mille fois meilleure. Elle est beaucoup trop belle. Les yeux jaunes, franchement, il y a tout qui va. C'est mieux que le démon là. Du coup, je suis vraiment content, les gars. C'était aussi un éveil que je voulais qu'ils ajoutent. Et ils l'ont ajouté, du coup c'est parfait, ça fait de la diversité, ça va être vraiment fun à jouer. Du coup je suis content, dites-moi encore ce que vous pensez en commentaire. Et maintenant on va voir le troisième personnage qui cette fois-ci est un personnage en entier. C'est pas seulement un homme d'éveil, et c'est le personnage de Sarada Uchiwa avec le Chidori. Bon alors je suis un peu moins fan de ce mode éveil, bon en vrai je kiffe le Chidori, franchement j'apprécie, mais sinon il apporte rien de fou malade non plus. L'attaque spéciale est jolie mais je préfère quand même celle où il y a la ref avec Itachi, vous savez, où elle lance les shurikens et ça tape les kunai, les shurikens enflammés. Franchement je préfère cette spé là, mais bon on prend, c'est un nouveau mode éveil, Sarada avec le Chidori, ce ninjutsu iconique, donc on prend les gars, on mange. Et dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce les gars, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre bien évidemment un pouce en l'air et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo news sur Naruto Storm Connection. Dès que des news sortent les gars, je vous fais cache la vidéo pour que vous ayez du contenu. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Et sur ce, c'est ciao.